La merde, putain, c'est des conneries là. Inédit, j'ai dit qu'il c'est vraiment de la merde, hein, Rocco, c'est vraiment de la grosse daube. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fout quand même, hein? Alors, c'est vraiment de la grosse daube. Hein. Un petit jeu? Ah bah alors ça, j'aime bien, ouais, je veux bien. Oh, merci, c'est quoi? Ah, c'est simple. Ah oui, un deuxième, merci. Ah, ça, c'est cool, j'aime bien. Ah, j'aime bien le bleu en plus, c'est cool. Encore? Bon bah, merci, c'est gentil, mais à un moment donné, faut qu'elle se calme, quoi, quand même. Oui, bon, bah, je veux bien donner des trucs, c'est sympa, mais bon, j'ai pas que ça à foutre. Ok, non, mais peut-être arrêter à un moment donné. Putain, chier, ces gens-là, toujours à récupérer des trucs partout, ils s'en battent les couilles de leurs objets de merde. Bon, bah, merci, c'est bon. C'est jamais fini, hein, quand il y en a plus, il y en a encore. Formidable. Ah, les croquettes. Merveilleux. Bah, je vous remercie bien bas de votre sollicitude. Bon, bah, il y a de quoi faire. T'es bien, Didier. Hein. Merci. Magic Light, fait briller les couleurs dans la nuit. Un sourire, un ami, dans la lumière qui éblouit. Magic Light, Magic Light, et tout s'éclaire par magie. Magic Light, Magic Light. Picpus, Picpus, vous ne dormirez plus. Picpus, Picpus, c'est un jeu fou. Picpus, c'est un nouveau jeu. Choisissez une couleur et attrapez les puces. Picpus, Picpus, faut pas qu'elle s'échappe. Oh non, Picpus, Picpus, vous ne dormirez plus. Et du coup, bah, nous revoilà pour vous montrer en fait tout simplement ce que j'ai trouvé aux encombrants, parce que bah, je sais de temps en temps les encombrants, parce qu'en fait ça me fait chier de me dire qu'il y a plein de trucs bien qui peuvent partir à la poubelle et qui peuvent servir à des gens. Genre, j'avais récupéré une chaise pour gamin, bah, je l'ai filé à une collègue. Genre, on a récupéré un petit tracteur à pédale rouge, bah, je vais peut-être le filer à mes voisins. Enfin voilà, ça peut servir à des gens. Et là du coup on a trouvé plein de jeux de société là, que vous avez vu juste avant. Donc je pense que je vais pas tout garder, je vais sûrement filer à des gens aussi, ceux qui veulent, machin, etc. Mais voilà, c'est dommage de jeter quoi. Pareil, on a récupéré un meuble blanc d'enfoiré avec des petits tiroirs, tout ça, machin. Et ça allait à la poubelle. Ça peut servir les gars, je sais pas, ou même donner à des associations qui peuvent, voilà, qui peuvent s'en servir, qui peuvent se faire un peu d'argent là-dessus. Si vous voulez pas faire l'effort, juste poser chez des gens, des données, etc. Machin, et voilà. Genre pour les Parisiens, je sais pas, il y a rue du Chemin Vert qui s'appelle 230 m3 où ils récupèrent plein de trucs. C'est une boutique gratuite et après vous déposez et vous pouvez récupérer des trucs qui vous est utile. Donc à la limite vos trucs qui vous servent à rien, vous les posez là-bas et vous récupérez des trucs qui sont utiles et puis tout le monde il est content. Bref, donc voilà, en ce moment-là c'est des jeux de société. Il y en a 9, je crois, si je dis pas trop de conneries, je sais plus si j'ai bien compté. Donc bah, on va commencer de suite par vous présenter ce que j'ai trouvé. Donc là c'est un échantillon. Une édition junior, une boîte complémentaire édition junior tirée le prix de la poursuite avec des questions, ma foi, même si c'est junior, parfois on se dit bon bah soit je suis con, soit je suis con. Hein, donc il y a plein de questions. Il y a deux boîtes, voilà. Donc, par exemple, au pif, prenons hop une carte. Alors, qui était le Rastaman suprême? Question facile, hein, qui était le Rastaman suprême? Voilà. Donc bon, voilà, des petites cartes, c'est chouette pour ceux qui ont un trial poursuite. Moi j'ai encore un vieux que mes parents avaient, je crois que je l'ai récupéré, je crois qu'il est chez moi ici, donc voilà, c'est bien. Puis on aime bien se poser des questions à la con comme ça. Bref, on aime bien. Donc voilà, trial poursuite. Ensuite, alors bon, je pense que ce jeu s'appelle Barricade, donc je ne connais pas. Alors c'est un jeu allemand, je pense, hein, parce qu'il y a plein de trucs en allemand, tout est traduit. Bon, excusez-moi, ça a bugué. Donc je disais le plateau, hein, le plateau, vous avez des petits pions de différentes couleurs et vous avez des gros pions comme ceci qui ferment justement les barricades. Du coup le but c'est de bloquer ses adversaires pour pas qu'ils aillent gagner quoi, tout simplement. Voilà, en gros c'est ça. Donc on n'a pas essayé, mais bon le jeu est complet, il y a la notice, il y a tout et la boîte est sympa, les couleurs sont chouettes et j'aime bien, c'est aussi qui fait un bon jeu de société aussi, enfin moi ce que je trouve, du moins les couleurs, etc. Moi, je suis très couleur, très grosse couleur, ça me plaît, et j'aime bien. Ensuite, le jeu piège. MB présente, piège, avec des tirettes, on ouvre et on ferme des trappes sous les billes de l'adversaire. Piège, un jeu MB. Alors ça c'est un jeu que j'ai quand j'étais gosse, enfin lui il est complet, non, il manque une bille. Du coup j'avais des
feuilles de couleur, voilà, bleu, rouge, noir, vert. Vous avez du coup un truc comme ça. Le principe, c'est vous mettez vos petites billes ici, voilà, etc. Vous les mettez dessus. Après, vous avez des petits tiroirs aussi. Et si ça tombe, vous prenez votre bille. Et c'est celui qui reste plus de billes à la fin. Enfin, celui où il n'y a plus de billes, plutôt, bah, perdu. Les autres ont gagné. Voilà. Donc, on peut jouer à 2, à 3, à 4. Le tout, c'est tout divisé par le bon nombre de billes. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, bah, il manque une bille, mais je pense qu'il y a moyen de trouver une petite bille par-ci, par-là. Il y a moyen. Donc voilà, piège. Est-ce que les années sur les jeux de société, parce que moi j'achète très très peu de jeux de société comme ça. Oui, 1984, dis donc, de chez Ravensburger, non, de chez MB Jeux, pardon, parce qu'il y a beaucoup de jeux de chez Ravensburger. Donc du coup, juste pour la blague, autre question. Quel est le signe du zodiaque de Michael Jackson? Ça, c'est une très bonne question, les copains. Très bonne question. Bim. Alors du coup, ensuite, un vieux Monopoly, ce que je te présente. Un vieux Monopoly, je pense que ça c'est les toutes premières versions. You've inherited $100. Wow. I'll take that toward what you owe me for staying at my Boardwalk Hotel. Don't forget the $200 you still owe for riding my four railroads. You're going directly to jail, fella. Uh-oh. Don't pass go. Don't collect $200. Oh. Monopoly, a nice, ruthless, money-hungry family game. Voilà, je pense qu'on a tous 36 000 versions des Monopoly, genre. Je sais pas, ils ont dû faire toutes les licences qui existent, les Zelda, les Mario, les Nintendo, les Game of Thrones, Walking Dead, tout existe en Monopoly. Donc là, c'est l'original. Et je viens de voir un truc marrant, c'est que c'est pas le Parker, c'est le logo Parker, mais c'est la marque Miro. Donc est-ce que avant la marque s'appelait Parker, la marque s'appelait Miro, pardon, a été rachetée par Parker ou c'est juste un changement de nom? Eh bien, je sais pas. Bref, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc lui, en fait, on l'a fait tomber dans la voiture, voilà. Donc j'ai pas regardé si tout était présent. Il manque beaucoup de pions dans celui-ci. Vous savez, les petits pions en acier de Monopoly, bah, il n'y en a aucun, bah, clairement. Je crois qu'ils sont dans un autre jeu. J'ai vu un autre jeu où il y avait... non, j'ai une connerie. Je crois que j'ai vu une voiture, je sais plus. Bref, le plateau de jeu classique. Voilà. Alors si vous voulez une anecdote juste sur ma vie, en fait, moi, le Monopoly que j'ai eu quand j'étais petit, c'était un Monopoly belge. Donc tout ce qui est rue de la Paix, rue de la Courbe, Vaugirard, Courcelles, moi je connaissais pas, je connaissais que les noms de rue belge, hein. Voilà, c'est moins funky popiette, enfin bon bref, c'est chouette aussi, je connaissais du coup plein de rues en Belgique, je pense du coup à Bruxelles, je sais pas trop. Du coup bah il y a les biftons, voilà, il y a les trucs, enfin, je sais pas si vous voyez, c'est en bordel, si on l'a pas, je l'ai pas trié, je l'ai pas rangé parce que j'avais la flemme, j'étais en bordel, mais bon, on a un Monopoly original qui est un petit peu cassé, c'est pas grave. Ce n'est pas bien dramatique. Hop. Alors du coup, autre question. Alors, bim. Alors, question très simple. Très simple, la question du Monopoly. Du Monopoly. Du Trivial Poursuite. Qu'est-ce que H2O? C'est pas compliqué quand même. Hein? Pas compliqué. Bim. Alors du coup, après, on va passer au risque. Pareil, un très vieux risque aussi. Donc moi je connais les récentes, vous avez carrément les petits pions, c'est des petits chevaux, des trucs, et c'est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Là c'est bonne franquette quoi, c'est de l'époque, et il y a tous les bouts qui se barrent, c'est ça qui est dommage, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, le plateau de jeu, qui est vraiment plutôt pas mal, bim 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 bim, c'est vraiment chouette, hein. Ça c'est du vintage, mon bon monsieur, ça c'est chouette, hein, j'aime bien ça. Alors pareil, il y a toutes les petites boîtes avec les petits pions de couleur. Vous voyez là, c'est rudimentaire, c'est que des petites pièces, des étoiles, des machins. Donc je vous ai montré rouge, il y a les bleus, il y a la notice, le vert, jaune, noir et rose qui n'a pas de couleur. Hop. Ensuite il y a les petites cartoons, et par contre là, il manque des dés. Logiquement il y a 3 dés. Bleu et 3 des rouges, et là je n'ai que 2 des bleus et 1 des rouges, mais pareil, c'est pas dramatique, ça se retrouve des dés à pas bien cher. La notice, encore une fois, et ça c'est de quand? C'est de quand? Et ceci est un jeu Miro, dis donc, je sais pas si vous voyez ici, un jeu Miro, donc
je pense que Miro a été racheté par Parker, je sais pas trop, faudrait se renseigner sur cette histoire. Hop, bim, bim, bim. Est-ce qu'il y a une petite datoun là? Non. Mais j'ai cru voir 60, entre 70 et 76. Donc je pense que Miro c'est de 70 à 76, donc ça doit être grand max 76 à mon avis. C'est chouette quand même. Hein. Ensuite, le Cluedo. Cluedo, le fameux jeu où le docteur Lenoir est assassiné. Avec la corde dans la cuisine, avec le poignard dans la bibliothèque. Non, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier la nuit partant de brouillard. Cluedo, élémentaire mon cher Parker. Oh, voyez-vous, un petit Cluedo. Bon, ça c'est celui que je jouais quand j'étais gosse avec mes parents, donc ça me fait marrer. Parce que j'avais perdu plein de pièces et du coup, là il y est. Donc peut-être qu'avec toutes les pièces qui sont là-dedans et celui que j'avais quand j'étais petit, il y a peut-être moyen d'en refaire un complet. Parce que celui-ci manque... presque tout. Donc presque tout. Donc là vous avez c'est Richard Hernandez, c'est ça? Je sais plus. Celui qui joue dans cette série sur M6, vos chers voisins. Et ben voilà, il est là là. Voyez-vous? C'est ce monsieur. Voilà, le mec qui se tape l'incruste. Bref. Et donc là, comme je vous disais, il manque. En fait, il n'y a quasiment aucune carte. Clairement. Moi, je suis. Non, je suis mes 10 ans. Il y a une dizaine de cartes. Voilà, tout pété. Voilà, je n'ai que ça comme carte. Hein. Voilà, vous voyez. Je n'ai que ça, alors qu'ils devront en avoir plein normalement. Et pareil en objet, je n'ai que cette petite clé anglaise. Quel dommage. Mais bon, pareil, il y a moyen de retrouver. Et par contre, du coup, là, sur le jeu, c'est la marque Parker, c'est plus la marque Miro. Donc, à voir. À voir. Hop, bim, bim, bim. Donc lui, il est de quand, ce petit jeu? A-t-il une petite tatoune? Pas ici, j'ai pas envie de fouiller pendant 30 ans non plus. Regardons sur la notice, peut-être sur la notice. Mais c'est intéressant quand même de savoir de quelle date sont les jeux. 1974. Merde, 74, putain. C'est si vieux que ça. Kenner Parker. Kenner Parker. Putain, ils sont partout au Kenner, dis donc. Bon, eh ben écoutez, j'ai pas de date, tant pis. Ce serait intéressant de fouiller quand même, savoir de quand ça date cette chose. Hop! Après, Scotland Yard. Alors, du coup, Scotland Yard, c'est un jeu de détective, quoi, on va dire. Alors, j'ai fouillé à tout. Oui, peut-être qu'il manque un truc ou deux. Vous avez, du coup, le très grand plateau de jeu beige qui a arrivé. Voilà. Hop! Comme ça, et il a deux faces au propos de jeu. En fait, du coup, c'est une carte de Londres. Voilà, une carte de Londres. Vous avez d'un côté, attendez, je dis pas de conneries. De ce côté-là, vous avez les monuments. Et de l'autre côté, vous avez les rues. Donc, pour ceux qui ont déjà été à Londres, vous avez King Cross qui est où? King Cross qui est là-haut. Vous avez Caledonian Road qui est ici. Vous avez la Tamise qui passe là. Voilà. Je suis pas guide touristique, mais bon, l'idée c'est ça. Donc je disais, c'est un jeu où vous devez retrouver en gros un meurtrier. Je pense qu'il y a des enquêtes à faire, il y a des petites plaques comme ça. J'ai pas lu trop les instructions, mais voilà. En gros, c'est un jeu de recherche et d'enquête. Hop. Et ça, c'est de chez qui? Parce qu'il y a un petit nom quelque part. C'est de chez Ravensburger. Hop. Bim. Y a pas de date. 88. Putain, c'est vieux tout ça quand même, dis donc, ça rigole pas. Hein. Hop. Ensuite, le tour du monde en 80 jours, toujours de chez Ravensburger. Voilà, j'ai pas lu la notice de celui-ci. J'ai pas lu la notice, pardon, de celui-ci. Mais j'imagine qu'il faut faire le tour du monde en 80 jours. Hein, si je suis pas con. Hop, du coup, le plateau de jeu. Hop, bim. Bim. Voilà, encore un grand plateau de jeu, j'adore, c'est tellement kitschou, sérieux. Hop, voilà. Hop, bim, bim. Ensuite, les cartes, et je me rends compte que celui-ci, je ne l'ai même pas regardé. Quelle honte. Vous avez plein de petites cartes de jeu. Voilà, vous avez des petits pions. Il y a pas mal de choses. Honte à moi, je n'ai pas lu les règles, je n'ai rien lu. Tant pis, ça sera pour une prochaine. En tout cas, il est là. Et encore une fois, à mon avis, il est complet, quoi, parce qu'il y a quasiment tout et tout. Enfin, pourquoi acheter ça, les copains? Donner à des gens, même à des... Je suis sûr que donner ça à des écoles, je suis sûr qu'ils aimeraient bien pouvoir avoir des jeux de société, les écoles. Et pour finir, vous avez le Das Verrückte. Hé, les amis, regardez!
Entrez dans le labyrinthe, un jeu rempli de trésors et de surprises. Choisissez bien votre parcours, étudiez bien vos cartes pour aller droit au but. Mais attention, les murs bougent et tout peut se retourner contre vous. Labyrinthe et Labyrinthe Master, les plus palpitants des jeux Ravensburger. Exactement. Donc c'est le seul jeu qui est en allemand, sauf que tout le monde connaît le principe du labyrinthe, t'as pas besoin de notice, tout le monde connaît ce jeu, et pour y jouer, il y a besoin de rien lire, hein. Tout le monde connaît. Et celui-ci est complet, totalement complet. Donc voilà, écoutez, je pense que tout le monde connaît le principe du labyrinthe. Moi j'aime beaucoup ce jeu. C'est pas que j'aime beaucoup, c'est que j'ai des très bons souvenirs de ce jeu quand je jouais quand j'étais petit, avec des voisins, quoi. Enfin, ouais. Hop, donc je vais vous montrer le plateau de jeu. Et ça, c'est aussi de chez Ravensburger, hein, si je dis pas de conneries, tout à fait. Hop, le petit plateau de jeu. Donc, il faut mettre toutes les cartes ici. Il faut pousser les cartes, du coup, pour trouver les petits trésors. Et il faut récolter tous ces trésors. Il y a tous les petits pions, toutes les petites cartes. Il y a tout. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cool. Donc, encore une fois, pourquoi jeter ça? Je ne comprends pas. Bref, voilà, c'est fini. Alors, juste du coup, pour finir... Une dernière question. Hop, de chez Trivial Poursuite. Alors, bim 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 bim. Quelle est la plante qui produit l'ananas? J'en sais foutre rien. Hop, c'est tout simple en fait. Donc voilà. Bah écoutez, la vidéo est finie. Voilà, c'était juste pour présenter les jeux qu'on trouve en encombrant. Pour vous montrer les choses qu'on trouve aux encombrants, c'est fou, je ne comprends pas pourquoi tout jeter ce genre de trucs là, je n'arriverai jamais à comprendre. Même des meubles nickel, même des vinyles, j'ai trouvé des boîtes de vinyles, j'ai trouvé des vinyles nickel. Bon ok, soit c'est des vinyles à la con de, je sais pas moi, trucs de classique, trucs, mais il y a des trucs de jazz, enfin bref, on trouve de tout. Donc messieurs, dames d'ici et d'ailleurs, je vous encourage le soir, à partir des 18-19h, la veille, de faire les encombrants par chez vous. Fouillez, hein, y a des calendriers disponibles des villes autour de chez vous et tout, voilà, et faites le tour. N'ayez pas honte de fouiller dans les poubelles entre guillemets des gens, parce que les gens c'est des cons et puis ils jettent plein de trucs. Excusez-moi si vous êtes parmi ces gens-là, hein, désolé, mais bon, rendez-vous compte. Bref. Mais écoutez, je vous dis à plus, à bientôt, amusez-vous bien, et puis voilà, hein. Salut!